Yo les frérots, c'est Pilou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de booster de cartes. Alors je vous ai préparé une petite ouverture super sympa. J'ai acheté une boîte donc de 5 packs de cartes de Ghost Swamp de Pass 2. Il y a plein de cartes intéressantes dedans, mais moi ce que je veux c'est une Ghost et puis des Alubert. On va essayer de faire ça tranquillement. Alors il est très très tard au moment où je fais cette vidéo. Je viens de rentrer de Lyon, on était au reboot. D'ailleurs si vous connaissez pas le reboot, j'ai fait une petite vidéo dessus, vous pouvez aller checker. Vous pourrez aller check dans 2-3 jours parce qu'en fait je vais sortir cette vidéo avant la vidéo du reboot. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo qui va sortir. Non, est-ce que c'est possible ça? Vous me direz en commentaire de la vidéo que je vais sortir, ce que vous pensez de la vidéo que je vais sortir, ok? On fait comme ça. Et sinon nous on va pas perdre plus de temps, on va se mettre sur l'ouverture. Je vais passer sur la deuxième caméra, où bien entendu il y aura quand même un retour sur moi, parce que si jamais je trouve des cartes de malade, ça va être trop cool. Et on va pas perdre plus de temps, je vais peut-être faire un petit zoom. Donc d'abord je vais ouvrir la case. Hop, j'ai un petit cutter là qui traîne. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a des cartes qui m'intéressent là-dedans. J'aimerais bien avoir une Ghost, ce serait trop cool d'avoir une Ghost. Je pense que c'est la première fois que je vais topper une grosse rareté Yu-Gi-Oh! Sur une de mes vidéos. Et j'en ai trop envie en vrai les gars, je ne veux pas vous mentir, une petite Ghost ça fait trop plaisir. Même si il y a plein de cartes, de plein d'archétypes différents qui sont vraiment intéressantes dans ce booster. Et j'ai bien envie de voir ce que nous réserve cette ouverture. Alors je me suis pas spoil de ouf, je connais quelques cartes qui sont qui vont être à l'intérieur, mais je les connais pas toutes. Et on va découvrir ça ensemble. Alors bien entendu, on va pas lire toutes les cartes. Hein. Vous connaissez déjà sûrement toutes les cartes que contiennent ces boosters. Hop, on va faire un petit focus. Focus. Hop, ça focus pas. Ça focus. Hop, voilà. Petit focus. Et vous connaissez sûrement toutes les cartes qu'il y a de ces boosters. Je vais faire un bon zoom sur les cartes, vous inquiétez pas. Si vous avez envie de lire, vous pourrez lire en mettant pause sur la vidéo. Mais voilà. Je vais sûrement faire une petite accélération rapide. On se retrouve dès que j'ai ouvert toutes les boîtes. Et puis on aura tous les boosters étalés comme ça, ce sera plus simple. Allez, à tout de suite. Ok les bros, c'est bon, on a les 20 boosters là, il y a 5 cartes par booster, ça fait 20 x 5, 100 cartes. Donc il y aura 100 cartes dans l'ouverture d'aujourd'hui. On va pas perdre plus de temps, il y a peut-être, je vais pas m'attarder sur toutes les cartes sauf celles qui sont giga belles. Et quel cas je serai obligé de rester comme un débilos devant pour lire les effets et tout. Mais sinon, j'espère que vous voyez bien, ouais, est-ce que ça focus? Hop, on va faire un autre focus. Voilà, un bon focus. Et on va pas perdre plus de temps que ça, on va ouvrir tout de suite les boosters. Et on va voir ce que nous réserve cette petite ouverture super sympa. Donc let's go les potos, souhaitez-moi bonne chance. Ah, stop. Pour avoir de la chance les gars, j'ai décidé de mettre mon petit puzzle du Millennium. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie d'ouvrir une Ghost. Alors, je vais mettre mon puzzle du Millennium, sommaire. Et on va ouvrir une Ghost en vidéo aujourd'hui, ok? Ok, attendez, je vais mettre ça correctement. Bam! Trop cool. Et du coup, bon, let's go. Première ouverture. Oh, j'ai déjà ouvert le booster. C'est parti. Premier booster, les gars. On en a 20 pour aujourd'hui. Donc, c'est parti pour le premier booster. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Alors, déjà, je vais essayer de bien placer les cartes pour que vous puissiez lire correctement. Ouais, normalement, c'est correct. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit plutôt bien. Donc, Reine des Poupées. Voilà. Vision, Hérovision, voilà. Vampire aspirante. Poisson rare. Putain, ça c'est trop nul en vrai. Et DDD, roi de la destinée zéro place. Ok. Premier booster, ça commence plutôt bien. Bon, en vrai, je dis plutôt bien. Il n'y a aucune carte qui m'intéresse dans ce booster, c'est pas grave. On enchaîne sur le deuxième. Hop. Silex acéré. Radiateur codeur. Oh, c'est bizarre ça comme carte. Putain, il faut focus s'il te plaît. Focus caméra. Voilà. Oh, magicien quatre-têtes, ça j'aime bien cette carte. Je l'ai joué sur Duel Links et j'adore, il y a des combos magiciens et tout, c'est trop stylé. Ça détruit tout, c'est trop bien, attends, fais voir. Hop, cette carte face recto sur le terrain ne peut être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel fusion. Et aussi elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Hop, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Trop puissant, trop puissant.
Et oh là là, le grand mammouth de Goldfin. Bon, c'est nul ça comme carte. Et œuf de Reptia. Ok. Ok. Bon, dans le deuxième booster, on a le magicien 4, c'est cool déjà, ça fait plaisir. Troisième booster. Vénus, agent de la création qui invoque des monstres normaux, si je me souviens bien. Hop, tu vas focus, putain, caméra. Ok, c'est cool. On a Madame la directrice Potartiste. Tatsu Necro. Monde zombie, ça c'est bien, ça c'est bon à voir, ça fait plaisir. Et Soldat Galactique, ça c'est bien pour les decks Cyberdragon. Trop trop stylé. Donc Soldat Galactique, ça va, c'est un bon drop. Je suis content de l'avoir. On part sur le quatrième booster. Insector Gigamante. Dame Guerrière Novice. Flûte d'invocation Kuribo. Ah, ça c'est un truc Plunder Patrol, je crois. Ouais. Lys navire de patrouille de pillage, intéressant. Et derrière. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Majesté Hyperion. C'est stylé ça. Oh, elle est belle cette carte en vrai. Oh, elle est super belle. Hop, si vous voulez voir les effets, n'hésitez pas à mettre pause, les gars. Je lirai moi les effets un peu plus tard. Et bah, du coup, on est déjà sur le cinquième booster. Ça va très très vite, hein. Il n'y a que 5 cartes par booster. Nous, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est une gold. Et si on pouvait voir la magicienne des ténèbres, ce serait magnifique. Pluton, exécuteur des enfers. Jiangxi, Fantaurus. Oh! Le cyber dragon forteresse, la technochimère, le dragon forteresse, ça c'est une bonne carte aussi, c'est super intéressant de l'avoir. Ammonite alien, trop trop cool. Et oh! Oh les gars! Ouais! Dragon ultime, dragon blanc aux yeux bleus! Oh! Oh gosh! Oh, je gueule pas parce qu'il y a ma mamie qui dort à côté, mais. Oh putain! Mais magnifique, magnifique! Attendez, ça il faut que je le sleeve. Attendez là. Focus, focus. Ça focus pas, putain. Focus, ok. Alors, normalement, j'ai des sleeves spéciales pour ça. Où est-ce qu'elles sont rangées? Où est-ce qu'elles sont rangées? Attendez. Alors. Hop. Allez, pour le moment, il va avoir juste une petite sleeve. Comme ça. Hop. On va pas abîmer la carte, on va la ranger. Yes! Un dragon blanc aux yeux bleus! Ultime! Ça c'est trop cool les gars, c'est trop cool! Attendez, je vous mets bien l'effet de la carte. Oh là 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 là, comme il est beau! Bon, du coup, on a une autre ghost! Yes! GG, ça fait plaisir ça, ça fait trop plaisir, mais on va pas s'arrêter là parce qu'il y en a peut-être une deuxième, les gars, ça serait trop trop cool si on avait une deuxième. Donc, on continue, on est sur le sixième booster. Putain, c'est trop cool, le dragon blanc aux yeux bleus. Putain, je suis refait, les gars. Je suis refait. Ça fait super plaisir. Lanterne Fantaurus. Esprit Tanishita. Le domaine de vrai monarque. Créature Reptilia. Et DDD, le roi de la destinée. Oh là là, le dragon blanc, il est trop trop beau. Trop trop beau. En tout cas, ça fait plaisir. Hein, choper une petite gosse là. Putain, c'est ma première rareté comme ça. Je suis heureux, vous imaginez pas à quel point il est beau. Vous imaginez pas à quel point. C'est trop trop cool. Sorcière vampire. Et d'ailleurs, merci Reboot, parce que c'est au Reboot que j'ai acheté ce pack là. Et merci à eux, putain, ils sont trop trop cool. J'ai trop de chance. Trop de chance. Je suis trop heureux. On continue, hop. Encore du Plunder Patrol. La floraison luisante. Et. Oh, le guerrier fossile chevalier squelette. Putain, on dirait presque une gosse lui aussi, tellement. Ouais, trop stylé. Sympa, sympa. Rocher fusion, je sais pas, à voir dans quel deck ça peut se splash ça. Je sais pas si intéressant que ça. Mais on continue, on n'a pas fini. Du coup, Madame la directrice Potartiste qu'on a déjà eu. La reine des poupées, on a déjà eu. Floraison luisante, c'est fait. Boîte d'amis. Et œuf de Reptia. Ok. Bah pour le moment, on n'a pas trop de target à part le ultime dragon blanc, c'est bleu. Merci Yugi. La puissance du puzzle du Millennium, les gars. Puissance du puzzle du Millennium, ok. Du coup, on a Chevalier. C'est quoi ça? Ouais, bon, on s'en fout. Vénus, agent de la création. Bête fantôme mecha. Coltail, ça c'est trop bien. Tragédie, ça c'est bien. Ça c'est une bonne carte. Ça c'est une carte à avoir. Et Majesté Hyperion, encore une fois. Ok, on a une tragédie. Ça c'est bien pour le deck Branded. Bah, c'est super intéressant. Mais. Continuons. On veut un Alubert. Au moins deux, ça serait trop génial. Vion, le héros. Machine fossile, canon, squelette. Dulahan Fantaurus, ok, lui je connais pas. Baxia, éclat du Yongzing en ultra, c'est cool. Et. Alkifibrax! Ouais! Putain, ok, que des bons poules! Alkifibrax, ça c'est une carte que je voulais, ça fait super plaisir. Donc voilà, un petit Alkifibrax, pareil. Ça c'est de la bonne carte, sa mère.
qui est un... On est combien? J'ai pas compté le nombre de boosters que j'ai ouvert, je suis pas sûr. J'ai eu le Team Dragon Blanc aux yeux bleus en gosse, les gars, en vrai, je m'en fous pas, total. Jiangxi Fantorus, Lanterne Fantorus, Arc du Rituel Avancé. Ah, lui, il est très bien, là, le Roi du Déclin, Ballet Rock. Et... Olivier! Mais que des bantropes! Oh là là, ça fait trop plaisir, les gars! Je deviens fou. J'embrasse mon puzzle du Millennium. C'est grâce à lui, tout ça. C'est grâce à lui. Hop, Alubert que je vais placer juste ici, à côté des cartes trop fortes que j'ai eues. Hop, on continue pour l'ouverture. On est sur du Omnor. Quoi, c'est quoi ça? Onumuraki. Insecteur Frelon. Épée Insecteur. Domination Vampire. Et. Increase Hérovision. Ok, intéressant. Faudra que je vois, il y a peut-être des potes qui ça peut intéresser, les cartes d'ailleurs, je ferai sûrement des échanges avec les potos de Grenoble. Je suis sûr qu'il y en a que ça peut intéresser. En tout cas, j'ai eu l'ultime dragon blanc aux yeux bleus en gossa. Ça les gars, c'est le meilleur drop du monde. DD Necro Slime, Codeur Générateur, pardon pour les effets, hop, vous pouvez lire. Le grand mammouth, on s'en fout. Oh, la place imprime mat mec. Très très bonne carte d'ailleurs, Todd. Si tu vois cette vidéo, merci parce que je me souviens que tu m'avais filé un Laplacien en secret qui coûtait super cher. Et derrière, on a Magicien Chronique. Oh, il est joli lui. Il est joli lui. Bon, je sais pas, il faudra que je lise son effet après. C'est peut-être intéressant. Je ne sais pas. En tout cas, il nous reste quoi? Il nous reste 6 boosters. Ah ben, 6 boosters, c'est super cool. On n'a pas encore fini de topper des cartes. Donc, on a. C'est quoi ça? Ok, le Machine Fossile, DD Tourbillon Slime. Moi avec le navire du pétrole, Sanctum de Parchat et. Oh, la Banshee Monde Nécro, ça c'est cool aussi. Intéressant à voir, qui combatte bien avec le monde zombie. Parce que du coup, on envoie la Banshee au cimetière en prenant son effet pour set un monde zombie, pour activer un monde zombie depuis le deck, et ça c'est vraiment stylé. Allez. Sixième, encore 6 boosters, du coup, celui-là c'est le 6ème avant la fin. Cheval Proxy, Sorcière, Vampire, désolé les gars, hop. Oh, Point Sagiste, lui, à ce qu'il paraît, c'est une bonne carte. Alors, je sais pas pourquoi, mais à skip, c'est une bonne carte, lui. Donc, Point Sagiste, Épée Insecteur et DDD, Roi de la Destinée, 0 de la place. Ok. En vrai, j'ai déjà eu des méga bonnes cartes dans mon ouverture, ça fait trop trop plaisir. J'espère que j'ai pas abîmé mon dragon blond, d'ailleurs il faudrait que je vois la qualité de la carte juste après. Alors Cocotarium, le métal lourd aviaire, Pluton l'exécuteur des enfers, Grand Paladin Nirvana, numéro 60 Ducarest, lui c'est une bonne carte aussi. Je me souviens plus pourquoi mais lui c'est une bonne carte et Marie Fantoruse. Ok let's go. Hop. Qu'est-ce qu'il me manque encore comme carte que j'aimerais avoir? Ah ouais, il y a le dragon Link 5 là, ça serait trop cool de l'avoir lui aussi. Alors, Dame Guerrière Novice, Silex Acéré, Robot Bureau, très très bonne réédition, Cupid Peach, j'adore cette carte, trop puissante, et c'est quoi ça? Mais il y a un Misprint, ah non, c'est Go DDD, Rage, Roi du 0 Divin. Ok, pas ouf, pas super. Bon, il y a quand même pas mal de cartes intéressantes dans ce... Il y a des cartes, je connais même pas l'utilité des cartes, mais c'est pas grave, vous voyez. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une ghost et je l'ai eu. Donc, dragon primitif, le primordial. Mercure, agent de la sagesse. Alors, spectre rose du don. DDD Yali, le roi de double aurore. Et, oh, magicien sombre, le dragon chevalier. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime bien cette carte. Enfin, en tout cas, c'est pas puissant, mais elle est jolie, la carte. Vous comprenez? Moi, j'aime bien les choses jolies. Alors, on continue, let's go. Putain, je suis refait en vrai. Les bros, je vais pas vous mentir, je suis refait. Donc là, on a un cheval proxy. Hop. Ok, c'est bon. Focus. Insecteur frelon. Grand paladin Nirvana. Numéro 38, dragon transatlantique. Et. BOM! Deuxième Alkifibrax, les gars. Deuxième Alkifibrax. C'est qui le boss? Putain, ça fait trop plaisir. Un petit Alkifibrax. Ah. Oh. Ça, c'est une bonne ouverture, les amis. Franchement, c'est une giga bonne ouverture. Je suis comblé à ce fait en vrai. Attention, dernier booster, du coup. Ouais, il y a plein de cartes qui me manquent. Hein. Genre, je voulais avoir pas mal d'esprit tanné et du coup, je les ai pas eu. Mais on en prendra d'autres, vous inquiétez pas. Donc, esprit tanné, Shiana, Insecteur Gigamontes,
Dragon Nécro Zoubi aux yeux rouges. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air plutôt fort. Monju aux 10 000 mains. Et pour terminer, c'est un monstre à effet. 2100-2800. Qu'est-ce que ça peut être? Un dragon? Ah, le dragon de l'explosion. Ok, stylé. Oh, en vrai, lui, il est trop stylé. Et ben voilà. Voilà pour les 100 cartes qu'on a pour aujourd'hui, les frères. Oh, ben bon, je suis plutôt content. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu une ghost. Attendez, il faut que je vérifie l'état de ma carte. Oh là là. Elle est magnifique, c'est la première ghost que je top. Oh, wow. Il est super beau. Est-ce que j'ai abîmé la carte en ouvrant le booster? Non, challah, frère. Oh. Oh, elle est un petit peu abîmée là en bas, peut-être. Oh non. Peut-être là. Focus. Focus, caméra. Hop, vous voyez? Bon, écoutez, c'est pas très grave. En tout cas, on a eu le dragon blanc. Ouais. Oh, je suis super content, les gars. Ah, bon, je vais aller calmer ma joie pendant... Je sais pas comment, en fait, là, parce que là, je suis trop excité. C'est super. En tout cas, si vous avez kiffé l'ouverture, n'hésitez pas à laisser des pouces et des commentaires. Et puis, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous laisse ça comme ça. Oh. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos, ça me fera super plaisir, c'est super important. Et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, bye bye.